Salut à tous les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Eh, c'est quoi ça? C'est pas du... pas du raisin, non, de la... ça là. Ah putain, je l'ai. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai plus. C'est dans la même situation que je suis que vous allez être demain. Je sais les amis que c'est le brevet. Du coup les amis, s'il vous plaît, donnez tout demain. Les mecs, vous voulez tous une moto? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont négocié une moto s'ils avaient le brevet. Du coup les mecs, donnez tout demain. Si vous passez le brevet, dites-le moi dans les commentaires et mettez un pouce bleu. Et ceux qui passent des examens, bah mettez-le aussi. Des petits pouces bleus, des petits commentaires. Je vous motive tous les amis. Je me suis dit on va leur sortir une petite vidéo un jour avant le brevet. Ça va les motiver. Au moins ils vont se détendre. Mais je te jure que ça, j'ai le nom, mais je l'ai plus. Des blueberries. Non, c'est pas ça. Non, c'est un nom, tu vois, ça c'est les States. C'est un nom un peu plus français. Bref les amis, on est parti, je voulais faire une petite intro là, poser au petit soleil là, pour vous dire de bien bosser votre brevet les amis. C'est demain, je pense que c'est demain pour tout le monde. Donc voilà, moi je vous dis ça, le brevet c'était il y a tard l'époque. Maintenant je suis un jeune daron miteux. Non mais franchement. Donc là on est parti, petite vidéo aujourd'hui, petit soleil. Moi je peux vous dire que demain c'est aussi la pression, une énorme pression qui est sur mes épaules. Je vous dirai pas pourquoi, parce que je veux vous faire la surprise, mais moi demain aussi c'est l'équivalent du brevet moi. On est parti, il fait carrément meilleur quand on roule parce qu'il y a de l'air hein. Ça j'apprends ça à personne mais c'est carrément mieux. N'hésitez pas à vous abonner les amis, il y a 67% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. C'est quoi ce bordel? Tu lâches un petit abonnement, ça fait plaisir. Si t'as pas de compte Google, tu t'en crées un, c'est gratuit ça. Juste une adresse email, un mot de passe, au moins tu lâches ton abonnement. Merci mon ref. Et surtout n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Je le pub plus qu'avant parce que je sens qu'on peut faire des dingueries sur Insta. Parce que déjà là il y a bientôt 25 000 personnes sur ma page Instagram. Donc on peut vraiment faire des dingueries. Pourquoi pas taper les 50 000 frères, on est fou. Donc c'est parti, petite vidéo aujourd'hui sur un petit sujet qui fait beaucoup controverse. Combien prend une derby origine avec une ligne? En plus ça rime, je te fais des rimes. Eh, salut les amis, je peux me présenter comme ça, au rétroviseur, je te jure. Donc oui les amis, après moult et moult réflexions sur la bécane, oui Léo c'est pas possible, comment il fait pour prendre autant de pointes? Les amis, je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Ici nous avons une priorité à droite. Je vous dis aujourd'hui, en même temps on va réviser. Et pour ceux qui comprennent ce que je passe demain, vous êtes malins. Parce qu'il est 14h et la vidéo sort à 18h. Moi je fais pas dans la dentelle mon ref. Donc aujourd'hui on va voir un peu ce qui équipe le jeune moteur de la derby folle frérot pour qu'elle prenne des vitesses astronomiques. Alors avant qu'on m'engueule, vitesse de pointe 108 à 2 personnes sur une route plane, normale. 108 ou 103, je ne sais plus. Mais à confirmer, le passager était derrière, il pourra vous le confirmer. Alors là c'est la guerre du slibar. Voilà, on n'a pas la priorité. Là on y va. Ah là en même temps je révise sa mère hein. Donc oui les amis, derby full origin de 2011. Ah j'étais... faudrait faire un petit calcul mais j'étais petit moi en 2011. Donc voilà, ça, elle a plus de 11 ans la bécane. La bécane elle a 11 ans et elle a les poignées d'origine. Du coup les amis, le secret c'est d'enlever un rétroviseur. Salut, c'était Léo, ciao. I'm just fucking lit. Non, je rigole les amis. Alors bien sûr que je vais vous expliquer le pourquoi du comment frérot et comment ça fait ma petite technique secrète, ma jeune technique secrète. Alors déjà, faut savoir que vous avez pas le droit de rouler avec des engins non homologués. Mais ça, je pense qu'on s'en fout parce que nous, on veut de la puissance. Donc les amis, il faut savoir que déjà, une derby d'origine avec la ligne d'origine, vous pouvez déjà prendre, je sais pas, 70, je crois, un truc comme ça. Mais juste avec la ligne d'origine débridée. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, frérot? Youiz au milieu de la route, mon ref. Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un épisode. Ah oui, regarde la jeune moto, c'est un collègue motard ça, il a vu le bruit du deux temps là, il s'est dit putain c'est un 4,50. Du coup les amis, oui, avec une ligne d'origine, vous pouvez prendre déjà un bon petit score. Niveau de la paire, je peux vous dire que j'ai la priorité. Donc vous pouvez prendre déjà 60, 70 facile, parce que c'est ce que je prenais avant, avec la ligne d'origine débridée. Donc c'est que ça se fait large. N'hésitez pas à donner dans les commentaires vos vitesses de maximum, vos vitesses de pointe. J'en perds mon latin frérot. Vos vitesses de pointe dans les commentaires pour que les gens sachent que s'ils prennent ça ou ça, et ça va ouater frérot. Oh là je suis trop content pour vous les mecs, pour tous ceux qui vont réussir leur brevet, qui vont avoir leur bécane. Voilà là là là, souvent on regarde plein de youtubeurs qui ont ce qu'on veut. Du coup souvent les motos. Et moi je regardais plein de youtubeurs qui avaient des motos, que ça soit des gros cubes ou des petits cubes. Et voilà, des petits culs quoi. Et voilà les amis, maintenant c'est peut-être à vous. Donc moi je me dois de vous conseiller convenablement mon ref. Elle est pas barrée la route frère.
Donc les amis, faut savoir que sur ma bécane, on a monté une ligne qui vient de chez 50 Factory. C'est la ligne, elle apprend les tours, hein. C'est la ligne Yazuni Air Cross. Normalement c'est ça, de chez 50 Factory. Vous avez moins 5%, donc comme ça, bac de maths, t'inquiète. Vous avez moins 5% sur vos commandes avec le code Léonade. J'ai envie de faire un tout droit dans les graviers, frère. Ça doit pas être agréable, mais je sais pas, ça doit être stylé. Ah ouais, le jeune quad, frérot. Oh nickel, la petite sortie du mercredi après mon quad. Alors, hop, et on y va. Et allez, c'est parti. Donc oui les amis, moi j'ai la ligne de 50 Factory qui a été débridée et posée sur la moto. Sans réglage carbu, sans réglage de gicleur, comme ça. On l'a prise, net. La vidéo est disponible sur la chaîne, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et une fois la ligne posée, déjà c'était la fête du slibar au niveau du bruit. Ça changeait totalement le bruit. Et moi j'ai kiffé. Le bruit c'est un kiff. Tu vois, il y a des bruits de 50, ils sont moches. Bah moi j'ai kiffé mon petit bruit. Hop, petit clignot, contrôle, angle mort, tout le bordel. Et on y va, on attaque. Donc une fois avoir posé cette petite ligne, ça y est, c'était déjà fini. La derby prenait les 108 et puis c'était fini. Donc la derby prenait les 108 et c'était fini. Réglé pipo, frérot. Ah ouais, le casque. Et du coup, moi, quand j'ai acheté la bécane, elle était ligne d'origine comme je vous ai dit, mais c'est là qu'il y avait une petite subtilité. Et c'est vrai que je voulais cacher. Le CDI de cette moto... ouais, il est, je crois que c'est le CDI, hein. Il est pas trop, voilà. Donc ça serait que quand je l'ai acheté, elle était ligne d'origine bridée, débridée au coude. Donc ça veut dire qu'il y avait la bride à l'arrière, mais au coude elle n'y était plus. Donc ça veut dire que je prenais déjà 70 alors que j'avais la moitié des brides encore, si tu vois un peu ce que je veux dire. Mais un CDI préparé. Donc le CDI, si je ne m'abuse, et dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais ça joue sur les tours que ton moteur peut prendre. Parce que le CDI, c'est une pièce électronique qui va brider les tours. Ouah, attends, c'est quoi ça? Ça tue? C'est une Smart, non? Oh, c'est trop beau. Que va prendre ta moto? Donc voilà. Donc une fois que t'as un CDI débridé, bah elle prend les tours à l'infini. Donc moi, une fois que mon CDI était débridé, donc c'est pas moi qui l'ai fait, parce que je l'ai acheté comme ça, et en posant une ligne, et en jouant encore sur un autre facteur qui est la transmission, donc votre pignon et votre couronne, bah ça aussi, ça change beaucoup. Alors là, j'ai toujours plus compris ce bordel. Si tu réduis, tu augmentes en axel, mais pas en pointe, voilà. Et si tu augmentes, tu as de la pointe, mais moins d'axel. Donc l'axel, par exemple, c'est... dès que tu pars, c'est l'axel, frérot. Et la pointe, bah, c'est la vitesse max. Et donc moi, en ayant réduit d'une dent mon pignon, je suis passé de... c'est deux dents de pignon, je suis passé, du coup, de 108 à 90 et des patates. Parce que entre deux, il y a eu un petit problème. C'est que vous avez vu que j'ai fait, soi-disant, une amorce. Mais on pense, au final, après étude... de cette bécane, que ce n'est pas une amorce. C'est tout simplement qu'au-dessus qu'un certain nombre de tours, bah la bécane, frérot, elle se coupe. Elle ne supporte pas le bordel et elle se coupe. Oh ouais, frérot, regarde la Mercedes en A. Et en plus, il fait du bruit. Putain, il est magnifique. Ah ouais, il va là. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, tu peux y aller, chef. Pas de soucis, collègue. Il y avait la petite caméra de recul à l'arrière, il a dû me voir. Le jeune Léo fou. Merde, il est rouge. Non, c'est bon, il est vert. Je vais aller rattraper la Mercedes devant pour vous la montrer. Donc ça serait qu'un certain régime moteur, quand t'es en pointe, la moto se coupe. Alors va savoir pourquoi, frérot, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc ce qui fait qu'on peut plus vraiment connaître la pointe. On doit s'arrêter avant qu'elle coupe. Mais du coup, si tu veux reprendre une telle vitesse, bah ce qui est simple, c'est que t'as grandi ta transmission. Voilà, au moins t'auras plus de pointe. Alors, moi c'est la fête du slip, moi je vais là-bas, petite priorité. La Mercedes c'est là-bas, ah ouais, on va la suivre. Oh là là, hop les... Putain, il nous a mis une mine avec sa Mercedes. Putain, il était en A en plus. Magnifique. Elle avait une couleur. J'ai juste envie de voir l'intérieur pour valider. Mais je valide déjà la couleur. Ça a un sens unique. Il va partir sur Marseille, frère. Je vais rien comprendre. Et on va pouvoir faire une petite pointe quand même là pour voir combien que ça prend là. Hop, les... Alors, il est parti où? Ah, il est là-bas. On le rattrape. On le rattrape, frérot. Eh ben, il y a du monde ici. Le lycée est encore ouvert. Hop, les... Ah bah, la petite priorité, frérot, je l'ai vu au dernier moment. Tu me pardonneras. Moi, je vais aller retrouver cette jeune Mercedes. Ah ouais, non, frérot, il a le style avec ça. Fait de la contre-monde, c'est la mafia. En plus, elle faisait un de ses bruits. Oh non, il tourne pas s'il tourne. Regardez. Je sais pas quel intérieur il a. Ça fait du bruit, hein, déjà. Il y a une jeune priorité. Toujours des voitures dans la priorité, mais frère, je suis déjà passé. Oh, la petite tête est folle. Ah ouais, j'aime trop. En plus, à ce qui paraît, c'est super confortable. Écoutez le bruit. Ah ouais, le ram, frère, là-bas. Eh, il y a que des caisses de fou. Allez, ça y est, on l'a perdu, il va nous mettre une mine. Il va être à du 15 litres au 100, mais il nous aura mis même le petit Porsche Cayenne fou. Et bah dis donc, c'est que ça roule la petite Mercedes. On va fumer une Mercedes avec le 50. En vrai, c'est trop beau. Bref, revenons à la vidéo et laissons la jeune Mercedes vaguer à ses occupations. J'aurais pas vu l'intérieur.
C'est con. Mais très belle voiture. Et du coup, ça nous a changé d'itinéraire. Là, on est parti je ne sais où. Donc bref, revenons à nos moutons. Encore une TT, mais ici, frère, il y a des promotions sur les bagnoles ou quoi. Donc oui, ensuite, pour gagner en pointe, ce que vous pouvez faire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, enlever le rétro droit. Parce qu'il y a une brise au vent et vous perdez 5 km/h. Non, je rigole. C'est la pire technique au monde, frère. Donc poser une ligne, déjà, c'est super... Donc déjà, poser une ligne, ça a un rôle primordial dans la pointe que vous allez prendre. Parce que ligne d'origine, bah, c'est nul un peu. C'est nul. Donc vous changez votre ligne. Bah bien sûr, il faut la débrider, mais ça, c'est illégal. Donc ça, c'est vos problèmes. Parce que moi, je prenais moins de vitesse de pointe avec cette ligne bridée que la ligne d'origine en débridée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois que celle a été débridée, elle passait devant. Hein. Elle passait clairement devant. Donc une fois que vous avez changé votre transmission, bah du coup, vous avez touché à la transmission. Moi, je vais aller là-bas, frérot. On va peut-être voir l'intérieur. Le jeune intérieur fou. Ah, l'intérieur noir. Intérieur noir classique. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Ah, route barrée. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et comment ça, route barrée? Il y avait l'intérieur noir. Magnifique. Comment c'est confortable. C'est quoi cette ville? Le bac. Frère, le bac, je l'ai déjà passé. Demain, c'est le brevet. Oh, pétard. Où est-ce que je suis arrivé là? Donc, oui. Reprenons notre histoire. On va la faire rapide. Hein. La ligne, la transmission. Le carbu, vous pouvez changer aussi votre carbu. Et je pense que là on a tout dit hein. N'hésitez pas dans les commentaires à donner des petits conseils. Oh, c'est Renette. Bon, c'est bien, c'est que maintenant j'avais pris l'habitude de savoir quand elle va potentiellement se couper. Donc je peux changer tout ça avant qu'elle coupe, si tu vois ce que je veux dire. Là frérot, il y a 50 000 panneaux là. Biboubi. Allez-y, mesdames et messieurs. Personne, pas d'amateur. Et bah la Mercedes, frérot, elle nous aura fait prendre un chemin. Connais pas, on se réinvente. Mais sinon voilà les amis, c'était pour dire de sortir une petite vidéo avant le brevet pour vous détendre un petit peu. Je sais pas si ça a fonctionné du coup. Parce que vous allez pas réviser, vous allez regarder ma vidéo. Bon, ah ouais, ça vous fait une petite coupure. Donc tranquille. C'est bon, faut pas m'en vouloir si vous ratez votre brevet. Route barrée. Je vais pas devoir faire demi-tour quand même. Elle est fortement barrée. Genre, c'est un vrai barrage. Genre barrage ou barrage avec deux RH. Qu'est-ce que je raconte, frérot? Il y a des monticules de cailloux. Alors? C'est barré-barré? Non, c'est pas barré-barré, frère. On passe 40 fois. Bon, c'est un peu off-road, mais ça passe. Ah, allez-y, y'a pas de soucis. Là, j'ai la priorité, là. Les doigts dans le nez, on fait tout. Vrah. Mais je te jure, tu te jettes là-dedans. Ça doit faire trop mal. Tu défonces ta moto. Mais je sais pas. Des fois, j'ai des idées bizarres dans ma tête. Alors, où va-t-on? Ah, vous êtes pas se perdre. Bah voilà, elle est plus barrée, la route. Elle est plus barrée, on peut enlever le panneau. Ah, bah là, frérot, ils sont bien garés, les gens. Alors, il y a une jeune priorité du seigneur, là. De toute façon, il t'apprend le vélo avant de me taper dedans. Ah, pas mal. Bon, mais ça serait bien de repartir sur des petites lignes droites là, parce que là faut qu'on voit le compète à combien il sort. J'essaye de vous sortir pas mal de vidéos en 50 en ce moment parce que malheureusement c'est bientôt la fin des haricots. J'ai peur de dire ça. Non, en vrai, les mecs, gros projet pour début août, 1er août jusqu'au 1er. Non, je vais trop en dire. Léo, tu te tais. Alors, on va aller là-bas, nous. On va essayer de retrouver notre chemin quand même. Je n'en dis pas plus, mais venez me suivre sur Instagram. Bon, alors, essayons de trouver notre chemin là et pas écraser le petit chien. Alors, ce clin, c'est là-bas. On va essayer de pas se faire carton, nickel. Bon, j'espère qu'on a retrouvé notre chemin. Hein. Allez, c'est parti. Là, ça charge. J'ai mis un turbo. Et là, voilà, t'arrives dans la chicane. Nickel. Priorité à droite. Jeune priorité à droite du cercueil. Nickel. Oh là là. Mais du coup, voilà, les amis, j'espère que vous aurez quand même kiffé là. La courte vidéo, frérot. Bon, t'es tellement loin que là, la priorité, je peux me l'octroyer quand même. Voilà, c'est une petite vidéo pour dire de vous sortir un petit truc avant le brevet. Ouh, c'est un copain de trottinette, celui-là. Oh, lui, il rentre dans sa jeune maison, frérot. Avec son jeune Audi Q5. Oh, pas mal. J'aime bien. Belle maison. Avant que demain vous soyez au charbon ou à la boîte aux lettres, frère. Eh ben, je suis arrivé dans une région de Paris ici. Bibaba. Les gens, ils aiment bien guetter. Il y a une petite caméra sur le cax. C'est pas normal. Là, c'est bon, il y a son père, je peux y aller. On va là-bas. Frérot, je me suis vraiment du père là pour une pauvre Mercedes. Relou un peu. Bon, moi, ça vous fait découvrir un peu de nouveaux paysages. Mais j'espère retrouver mon chemin incessamment sous peu. Wall Dodan. Bizarre, on dirait plus un tremplin qu'un Dodan celui-là. Regardez, ça saute et après ça redevient plat. Bizarre l'ambiance. Bon, voilà les mecs, c'était Léo. Passez à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. Tout ce que vous voulez de bon et de meilleur. Ciao. Putain, tue mon... Oh frère, tu forces gros. Ah non, c'était là-bas. Moi je vais aller là-bas. Comment je vais faire? Si je vais là, ça passe. Oh, attends, là je vais faire une dinguerie. Frérot, on fera pas ça demain, t'inquiète. Voilà, là je peux y aller. Large le temps. C'est parti. À vous les ballons. Je vous ai dit de mettre un pouce bleu les amis, non? Ah bah n'hésitez pas hein, en tout cas un petit peu un jeune pouce bleu miteux. Mais je te jure, ici les Dodan c'est des tremplins. Mais attends, mais je suis arrivé de là-bas vraiment? Non, c'est bon, je crois pas. Je croyais que j'étais arrivé là où je suis rentré dans la ville. Alors là, c'est vraiment...
vraiment la fête. Hein. On va trop vite, le rétro favori saute. Ne saute pas, mon ref. Ça va bien se passer, ne saute pas. Ah non, il fait de la pêche à l'aimant. Oh, trop stylé, il a ramassé des vélos. Mais non, pas bonne pêche, mon ref. Là, nous, on a des lignes. Je connais pas, mais t'inquiète. La derby, elle fait le taf. Damon, va vite, le rétro, il se barre. Faut que je la chope dans le bise. Sans cas, faut bien que ça me serve. Qui a la musique dans la tête en ce moment là? J'ai plus à avoir de voix moi. Oh, ça fait de la fumée ce bordel. C'est quoi ça, une moissonneuse batteuse? Je crois que c'est le seul engin agricole que je connais. Là, là, la poignée là, la poignée là, tu la soudes. Tu la soudes. Voilà, oh, priorité à droite. Attention. Voilà, voilà, c'est normal, c'est pour dire de faire chauffer la mécanique dans le bon sens du terme. Elle est où sa priorité à droite, frérot là? Zone 30, priorité à droite, where is? Bah, il soude ma gueule lui, il me dit priorité à droite. Elle est où ta priorité? Moi ça me met trop de stress tout ça, moi je peux pas faire ça moi. Allez là sa priorité à droite. Y'a personne. On y va. Ah mais je reviens là, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai retrouvé mon chemin. Wouhou. Marche ben, derby d'origine, y'a aucun souci d'en avoir. Et les amis, j'aimerais rebondir sur la vidéo que j'ai fait de quel 50 choisir en premier, et beaucoup de monde me rejoignent sur l'idée du fait de ne pas choisir une 50 quittée pour une première moto. Frérot, je sais pas du tout où je suis arrivé. Il y a des skateparks, il y a des jeunes trotty riders, à ne rien comprendre jusqu'où je suis arrivé là. Mais beaucoup de monde me rejoint sur l'idée de pas prendre une moto quittée, parce que déjà c'est vrai qu'il y a un argument que j'ai pas cité. Si vous avez jamais fait de moto, bah si vous prenez un kit, bah c'est bonne 50 d'origine quoi. Ça va brutaliser le bordel. Il y en a, ils ont des faisceaux, il y en a, ils ont des engins de guerre. Hein. Oh là là, et bah lui il est tout seul pour deux meufs, et il est bien non. Il y en a, ils ont bien gâté. Priorité à droite, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu. Alors la jeune priorité à droite miteuse, y'a personne. Allez, je suis en train de me balader frérot dans une ville, je connais rien du tout. Allez, va à fond, faut vraiment mettre les deux coudes, sinon elle part pas à fond. Le crousty frit là mon cousin. Y'a personne, toujours peut y aller. Je suis vraiment en train de me perdre dans des rues, c'est incroyable, hein, mini château. Tu penses tu peux... Non, c'est de la déco. Ouais, non, c'est de la déco. C'est-à-dire que tu penses tu peux y aller frérot, tu fais ta chambre droit comme un piquet. Moi j'avais dit que la vidéo était finie. Oh non, on s'arrête net. Voilà. Bon les amis, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. C'était Léo, je vous laisse là. Salut les mecs.